Et salut à tous et à toutes, c'est Kanzaltrop pour une nouvelle vidéo et... Bref, attendez 2 minutes, il y a des gens. On va attendre un petit peu, c'est pas grave. C'est Enfin, bref, on se retrouve pour ce vlog numéro 2 et si vous avez aimé cette petite intro musicale, dites-le moi dans les commentaires et... c'est surtout pour vous poser la question, si vous voulez la musique en fond de ces vidéos là. Donc du coup répondez-moi en commentaire, et pardon pour le doigt. Et oui je sais, il fait jour, déjà un peu. C'est parce qu'il est bien plus tard que d'habitude. D'habitude je vous filme ça à 6h30 du matin et là il est presque 8h20. Voilà. Du coup, alors, je suis même parti en avance pour être sûr de pas avoir besoin de trop speeder. Alors du coup je pense que l'accéléré se fera un peu moins longtemps. C'est-à-dire que je pense que je n'irai pas, enfin je ne filmerai pas quand je traverserai Massy, tout simplement parce que ces derniers jours en tout cas il y a eu beaucoup de contrôleurs et de personnes de la sécurité de la SNCF sur le quai, soit sur le quai de mon train, soit directement dans mon train, soit quand je sors de la station Massy pour faire mon changement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais passé dans un chemin entre guillemets. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est le troisième vlog, si je dis pas de bêtises. Bizarrement, j'ai l'impression d'en avoir fait qu'un seul. Enfin, bref, je m'en fiche, je vous verrai ça dans le titre. Donc, on se retrouve, je sors ma petite fiche de notes histoire de. Hop, oh, j'ai froid au doigt. Et je sais pas vous, mais en tout cas, il fait super froid. Il s'est prévu de la neige fondue pour aujourd'hui. Je suis un peu déçu, il pleuvouille qu'un petit peu. Et d'ailleurs, c'est. Peut-être que bientôt, vous entendrez le bruit de l'eau sur un parapluie. Tellement il fera pas beau. Mais bref, alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, alors, concernant les lives YouTube, je sais pas si vous le savez. En tout cas, moi, je le savais pas. Et du coup, je l'ai remarqué l'autre jour. C'est que les lives sont accessibles à tous. Les lives sont accessibles à tous. C'est-à-dire que ma chaîne, même si elle n'est pas monétisée, je peux faire des lives. J'ai activé l'option. Comme ça, je sais que je peux en faire. Donc si vous en voulez, j'en ferai. Mais je pense que je vais attendre les 100 abonnés, je pense. Parce que je pense que c'est un nombre à peu près rond. Les 90, si vous êtes vraiment impatient. Mais voilà, alors là je regarde pas du tout l'écran parce que je marche avec mon truc le plus naturellement possible, alors que si je regarde j'ai l'air un peu pas naturel. Et en plus il pleut, alors je n'ai pas très envie de coucher mon téléphone pour pas trop le mouiller. J'espère que vous m'entendez bien parce que le micro est pas non plus ultra près de ma bouche. Bref, donc voilà, les lives YouTube sont accessibles à tous, il n'y a même plus besoin de la monétisation. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, concernant le dernier épisode que je vous ai uploadé, vous avez dû remarquer que la semaine dernière, vendredi et samedi confondu, vous n'avez pas eu de vidéo. Et mardi, là, vous avez eu une vidéo. Alors vous allez vous dire, mais attends, c'est n'importe quoi. Mais en fait, non, voyez-vous, j'ai pas eu le temps d'uploader la vidéo vendredi. Et mardi, vu que je passais, enfin, j'avais une possibilité d'en uploader une. Et du coup, je me suis dit, ok, et ben je vais uploader une vidéo dimanche, et je vais uploader l'autre vidéo mardi. Comme ça, ça fait peut-être un petit décalage, mais en fait, ça va encore, et ça rattrape un peu le retard. Mais en fait, il se trouve que, pour une raison inconnue, l'upload pour dimanche, quand je l'ai regardé en tout cas, vous voyez, ça l'avait mis complètement uploadé, c'est-à-dire que 100%, mais il mettait que, en gros... la vidéo n'était pas finie et était en cours de traitement, il fallait que j'attende. J'ai attendu, j'ai pas pu retourner sur cet ordi là jusqu'à mardi, et mardi joue mon PC, ça charge même pas une minute et hop voilà, c'est bon, c'est uploadé. Donc vous avez une vidéo normalement mardi, enfin je pense que vous l'avez eu mardi parce que je vois pas quand est-ce que vous auriez pu l'avoir d'autre. Il y a un peu des gens autour, alors je vais peut-être me taire un peu. Je pense que dans ces passages là j'accélère et je mets un peu de musique, ce serait plus sympa. Voilà, je crois qu'il y a une personne et commence à pleuvoir de plus en plus.
Donc du coup, je pense que je vais essayer d'aller assez vite. Et je pense que s'il pleut vraiment trop, je pense que j'arrêterai de filmer. Excusez-moi. Aussi, alors pour la vidéo sur le serveur Ultra Hardcore, donc Armless Cube, j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu et j'en suis super content. Ça sera pas régulier les vidéos qu'il y aura dessus, ça sera un peu de temps en temps, un peu comme ça. S'il y a quelque chose à vous montrer, bah en tout cas ma maison a quand même pas mal augmenté. Et on commence à construire une deuxième maison un peu plus loin, dans un biome que j'affectionne particulièrement, et je vous laisse deviner dans les commentaires lequel. Ensuite, je sais que cette vidéo ne sortira que normalement dimanche, mais je tiens quand même à souhaiter un très très joyeux anniversaire à une de mes amies, donc je pense qu'elle se reconnaîtra. Aujourd'hui, on est le lendemain de son anniversaire. Elle fête son anniversaire après-demain, donc samedi, parce que je le filme cette vidéo jeudi matin pour ceux qui n'avaient pas deviné. Et donc voilà, très joyeux anniversaire à toi, et j'espère que ton anniversaire se sera bien passé. Je parle du futur au passé, normal. Bref. Ensuite, la cité de Néo-Athènes. J'aimerais que vous me disiez un peu si vous aimeriez la faire ou pas, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller revoir ma vidéo sur Néo-Athènes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le genre de cité des sables, mais un peu différente. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, puisque je n'ai pas de vacances. Enfin, j'ai pas eu de vacances jusqu'alors. Mais si ça vous plaît, peut-être que je mettrai ça en place. Ça durerait peut-être pas 2 semaines. Ça durerait peut-être que quelques jours. Ce serait un peu plus intense. Et voilà. Donc voilà, vous me dites dans les commentaires. En tout cas, soit ça durera quelques jours et ça sera waitlisté. Soit ça ne sera pas waitlisté. Mais alors là, par contre, il va falloir que je trouve quelqu'un pour les plugins qui gère vraiment bien, parce que sinon ça va être le bordel très très vite. Mais enfin voilà, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Je l'entends de temps en temps, c'est bon, je suis assez seul d'ailleurs, j'espère que je parle assez fort. Et je vais pas devoir jeter l'enregistrement parce que c'est tout pourri. Et enregistrer ma voix. Ensuite, donc je vais vous mettre à la fin un petit bonus que j'ai filmé ce matin, juste quand j'ai décroché du live pour les nuits de Crohn. J'étais claqué, donc excusez ma voix d'un peu fatiguée, j'ai peut-être loupé des infos, je crois pas. Je l'ai revu vite fait là, mais je crois avoir rien oublié de spécial. Putain, je parle quand même depuis assez longtemps, ça va être un peu long, mais c'est pas grave. Oui, donc c'est un tour de. C'est un truc. C'est un truc qui se fait avec un jeu de cartes. Et c'est un peu dans la continuité des comment embrasser une inconnue en 3 secondes, ou en 3 questions, ou pierre, feuille, papier, ciseaux, bisous, enfin voilà. Je pense que vous l'avez tous vu, et ben là c'est avec un jeu de cartes. Et croyez-moi, la personne qui est en face de vous ne va pas du tout avoir l'impression d'être dupée, ou d'être vraiment laissée au hasard. Et vous allez voir que la probabilité de gagner est quand même ultra, ultra forte. Malgré la concentration de la personne, vous allez voir, c'est assez drôle, et peut-être que ça va vous impressionner. Je vous invite à essayer l'expérience et à me laisser en commentaire vos résultats, on va dire, en quelque sorte, de l'expérience. Et ça me fait un peu bizarre, parce qu'il y a des gens déjà. Non, parce que, comme d'hab, hein, vous savez, je vous parle, il est jeudi, je vous l'applaudis, il est dimanche. J'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage entre ce que je dis et voilà. Et donc, là, les retours, donc je pense que je vais vous laisser de toute façon, parce que quand on va pleuvoir, ils vont commencer à être mouillés et j'ai un peu peur. Après, je vous laisse, peut-être un petit peu de musique tout en jeune le quai. Et après, tournoi magique bonus. Allez, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, un commentaire, et ciao tout le monde, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!
c'est un rêve. On se trouve pour un petit bonus, cette fois-ci avec des cartes. Je sais qu'il fait assez sombre, hein. Et donc j'ai toujours dû mettre la lumière ici, mais si je l'enlève, vous voyez, c'est encore plus moche. Donc voilà, c'était pour vous donner une nouvelle petite technique. Alors je pense que vous connaissez la technique de comment on lance une fille dans la rue. Alors il y a trois solutions, enfin il y en a deux pour l'instant. Il y a la solution du gros lourd qui vient et qui fait « Salut, en fait j'ai trois questions à te poser ». Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Est-ce que t'as un petit copain? Qu'est-ce que tu penses de moi? Et à la fin, bah, pourquoi tu m'embrasserais pas en fait? Ça fait un petit peu gros lourd, faut une grosse confiance en soi. Et voilà. Ensuite, il y a la deuxième technique, donc la technique du pire feu, papier, ciseaux. Si vous perdez une baffe, si vous gagnez un bisou. Mais bon, ça, il faut être américain pour le faire et ça marche pas tout le temps. Et moi, je vais avoir une nouvelle technique, quelque chose avec des cartes, c'est un peu moins lourd. En gros, vous allez prendre un jeu de cartes, vous allez retirer tout ce qui est joker et tête, donc tout ce qui est dame. Valet, roi, et je vous assure que cette technique marche assez bien. Déjà parce que la personne que vous allez avoir en face de vous, donc la fille que vous, bah, vous voulez embrasser ou n'importe quoi, hein, vous pouvez demander autre chose, c'est déjà plus crédible pour ayant une chance de gagner. Parce que, en effet, ici nous avons donc 40 cartes, puisque c'est un paquet de 52. Ici nous avons les 12 têtes. Et de joker. Et donc en gros, vous allez demander à la personne d'ajouter ces 14 cartes dans ce jeu-là, alors que vous allez garder bien serré comme ça. Et par contre, voilà, la personne va serrer cette carte, elle va choisir où le mettre, mettre le début, et vous allez finir pour pas qu'on voit où elle s'assoit. Voilà, c'est comme ça. Et le but du jeu, c'est que toutes les cartes soient seules, c'est-à-dire qu'aucune des têtes ne soit à côté d'une autre tête ou d'un joker. Si toutes les cartes sont bien isolées, vous avez gagné. Si les cartes ne sont pas bien isolées, si les cartes sont toutes isolées, la personne qui pose les cartes, donc la fille, a gagné. Et bien sûr, faut définir avant les conditions de victoire, c'est-à-dire que si elle gagne, il se passe quelque chose, et si vous gagnez, il se passe autre chose. Mais après, ça, c'est vous qui voyez avec la personne en question. Donc vous les ajoutez toutes. Et c'est marrant parce que on peut croire dans cette technique là qu'on a beaucoup de chance en fait de gagner, puisqu'on, enfin pour, imaginons, je mets à la place de la personne qui met les cartes ici, mais en fait il se trouve que sur tous les essais que j'ai essayé, en tout cas il y a un énorme pourcentage de chance de se tromper, enfin en tout cas de mettre deux cartes côte à côte. Hop. Bon, là je l'ai fait un peu au pif. Après vous allez retourner le paquet et les deux jokers vous allez les mettre. Alors que ça, c'est vers le haut. Voilà, c'est pour déconcentrer un petit peu. Hop. Voilà, la personne est confiante, elle dit ouais, c'est bon, j'ai gagné et tout ça. Puis là, vous allez regarder, s'il y a des têtes côte à côte. Et voilà, déjà, vous avez gagné. Bon, vous pouvez vérifier pour le LOL le reste du paquet. Vous avez gagné une deuxième fois, enfin, entre guillemets. Il suffit de gagner une seule fois. 3. Et voilà, vous voyez que c'est assez efficace. Et vous avez gagné. Quoi que vous ayez parié, vous avez gagné. Voilà, c'était le petit bonus, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous aimez bien, j'ai galéré à mettre en place ce genre de tour, là où j'avais posé mon portable au-dessus. Et moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.